serait formidable si quelqu'un pouvait aller porter cette boîte au fort pour les derniers renvois. C'est un plaisir et un privilège de faire pour vous. Seigneur, vous êtes maître d'hôtel. J'ai besoin que vous restiez là et que vous vous assuriez que cet endroit soit prêt pour la fête d'ouverture la plus incroyable de tous les temps. Quel que soit vos rêves, Miss Sophie en fera une réalité. C'était sans ma rêve. J'essaie seulement de vous respecter. Vous avez fait bien plus que ça. Du chargement, ne soyez pas en retard. Attendez une minute. Elle ne vient jamais de toute façon. Ne vous en faites pas. Ma mère était toujours en retard. Alors, il est temps maintenant pour nos élèves d'études supérieures d'aller découvrir le monde. Soutenus par leurs amis et leurs familles. Et ils vous sont vraiment reconnaissants d'avoir pu assister à cette auguste journée. Mais d'abord, la coutume nous dicte d'appeler un élève du premier cycle, choisi par ses propres pairs, à nous livrer le discours d'adieu. Cette année, cet élève en question, aussi ponctuel que toujours, est Donna Sheridan.